Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 00 12. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Au sujet de ma santé, la fièvre ne me quitte pas. Merci, Sainte Bernadette, priez pour moi. Saint Joseph, priez pour moi. Pour notre jambe, qu'il puisse trouver du travail. Et notre petite fille qui est malade, Sainte Vierge Marie, je confie enfin toi. Prends-nous tous sous ta protection. Merci. J'ai une intention de prière. Pour mon petit-fils, Lionel, qui ne va pas bien du tout. Il a une grave maladie qui n'est pas comprise. Merci, Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes vite impatients et facilement découragés. Nous comptons trop sur nous et pas assez sur Dieu. Que la méditation des mystères glorieux du rosaire en ce quatrième dimanche de carême nous rende étonnés de l'amour du Père, comme le Fils prodigue qui est passé de l'errance du péché à la joie du pardon. Perdu, il est revenu à la vie. Dieu veut nous délivrer de nos rigidités et de nos blocages. Laissons-le nous apprendre à sortir de nous-mêmes. Laissons-le nous libérer pour que nous puissions naître à une vie nouvelle. Premier mystère glorieux, la résurrection. Si quelqu'un est dans le Christ, écrit Paul aux Corinthiens, il est une créature nouvelle. Avec le ressuscité, le monde ancien s'en est allé, le monde nouveau est né. Le père de l'enfant prodigue ne s'embarrasse pas de réparation. Demandons au Seigneur de nous dépouiller de nos vieilles hardes. Laissons-le faire de nous des créatures nouvelles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous pauvres pécheurs. Deuxième mystère glorieux, l'Ascension. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non seulement Dieu est avec nous, mais il vient au-devant de nous, enfants prodigues qui avons dilapidé notre part d'héritage. Prions pour les enfants qui ont brusquement quitté la maison paternelle, et aussi pour les parents qui ont abandonné leurs enfants ou qui n'ont pas voulu accueillir ceux qui revenaient. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ, écrit Paul aux Corinthiens. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, la charge
d'annoncer l'évangile du pardon. Prions pour les prêtres. Ils sont les ministres de la miséricorde de Dieu. Qu'avec douceur et patience, ils sachent remettre le pécheur sur la route qui conduit au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Santo. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie. Là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Pour être réconciliés avec Dieu, nous devons chercher patiemment et loyalement à nous réconcilier avec nos frères et sœurs. Prions pour ceux qui n'arrivent pas à pardonner, à tendre la main à ceux qui les ont blessés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Vierge Marie. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. En ce dernier jour du mois de mars, prions à l'intention que nous a proposée le pape François. Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu'elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria, Patri, et Filio, et Spiritui, Santo. Ô Marie conçue sans péché, frères et sœurs, la parabole que propose la liturgie de ce quatrième dimanche de Carême, on l'appelait autrefois la parabole de l'enfant prodigue, puis des deux frères, aujourd'hui signe des temps du Père miséricordieux et de l'enfant retrouvé. Cette parabole est un hymne à la miséricorde, au repentir, artisan de réconciliation. Elle montre le chemin des retrouvailles. Miséricorde d'un père envers son fils cadet, longtemps perdu, rêvant d'inédit. Il est parti à l'aventure. Son père l'a laissé partir, l'a laissé libre. Il avait mille raisons de s'opposer à son départ, mais Saint Luc est laconique. Ce qui devait arriver, arriva. Un verset en donne le résumé. Il gaspilla sa fortune et mena une vie de désordre. Un simple détail donc, car la question n'est pas là. Cette parabole est la troisième, visant d'affilée à mettre en lumière, devant un auditoire de publicains et de pécheurs, de scribes et de pharisiens, la miséricorde de Dieu à l'égard de tous. Les réprouver par la bonne société et les bonnes âmes, le bon fils compris. Frères et sœurs, quel parent, quel éducateur, quel ami n'a pas connu l'incapacité d'empêcher le naufrage de naître cher? Sa miséricorde, le Père l'exerce aussi à l'égard du fils aîné, un garçon irréprochable en qui très tôt, trop tôt sans doute, de grandes responsabilités ont été confiées. Il les remplit à merveille jusqu'à ce que survienne l'inattendu, ce retour du cadet, la fête organisée en son honneur. Le bel ordre laborieusement mis en place est chamboulé. S'il se refuse de participer à la fête, l'aîné agit en pharisien. Mais Luc, une fois de plus, ne précise pas. Il ne dit pas quelle fut sa décision. L'aîné a-t-il participé à la joie des retrouvailles, au bonheur de la réconciliation, ou a-t-il renoncé, prisonnier de sa colère, convaincu d'être injustement traité? Le Père est injuste quand il est l'image de Dieu. Sa miséricorde invite à transformer nos comportements humains. Frères et sœurs, nul n'est privé d'espérance. Être parent impose une infinie délicatesse et un respect parfois crucifiant de la liberté de l'enfant. Il faut accepter de n'en être pas les propriétaires, convenir qu'un conseil, hélas, ne sera pas suivi. C'est le point douloureux, le point d'inquiétude
dont parle Peggy dans le porche du mystère de la deuxième vertu. Quand l'enfant appuie sur ce point, il en jaillit une émotion unique, un bourgeon d'espérance. Ainsi, du plus loin qu'il aperçoit le cadet, le père se précipite vers lui, le prend dans ses bras, ne le laisse pas achever le discours qu'il avait ruminé dans sa tête. Pareillement, il supplie l'aîné d'entrer dans la maison et de participer à la fête. Frères et sœurs, la miséricorde est amour et l'accorde aux pécheurs une nouvelle chance, inlassablement. Le philosophe Paul Ricoeur distingue deux logiques, l'une d'égalité d'équivalence, l'autre d'excès, de surabondance. Au regard de la première, la réaction du fils aîné est légitime. Elle s'inscrit dans une justice distributive qui rend à chacun selon ses mérites, mais telle n'est pas la logique de Dieu. En rétablissant le cadet dans sa dignité de fils, en le libérant du poids de sa faute, le père recourt à la logique de surabondance. Frères et sœurs, la parabole ne fait pas l'éloge de l'amnésie. Elle le rend disponible pour le recommencement. Il faut un débordement d'amour pour que le cadet se repente, voit s'ouvrir un nouvel avenir. La force du geste du père transporte son enfant dans un nouveau temps, celui du fils retrouvé et non celui du fils perdu. Un homme avait deux fils. De toutes les paraboles de Jésus, je cite encore Peggy, voilà celle que le pécheur n'a jamais fait taire dans son cœur. Parabole dévergondée, ose dire le poète, parce qu'elle n'a pas peur, parce qu'elle n'a pas honte, et parce que si loin qu'aille l'homme, quelles que soient les ténèbres où il s'enfonce, toujours une lumière veille qui ne sera jamais mise sous le boisseau. Frères et sœurs, la parabole s'achève sur le père suppliant l'aîné de ses fils à partager la loi, à la joie que lui cause le retour du cadet. Une supplication du père. Y avons-nous suffisamment prêté attention? Combien de fois nous-mêmes, nous sommes-nous, comme le fils aîné, refusés de franchir le seuil qui conduit aux retrouvailles? Il est temps de nous arrêter à ce refus. Il doit nous briser le cœur. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux est ton amour, Dieu notre Père. Tu vas au-devant du prodigue qui se repent et au-devant de l'aîné jaloux qui ne sait pas se réjouir. Nous étions morts et tu nous as fait revenir à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Fais de nous des créatures nouvelles, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Tout au long de cette semaine qui vient, regardons vers le Seigneur. Alors notre visage resplendira et nous serons lumière de Dieu pour nos frères et sœurs. Allons dans la paix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.